Il ne vient pas toujours nous pousser à voler, à commettre l'adultère, à s'ingérer. Non. Il vient aussi nous faire déplacer même le langage. Pour que les gens nous déconsidèrent. Et ils finiront à dire. Un chrétien ne peut pas parler de la sorte. Ils savent que les chrétiens, ils ont un langage mais les gens du monde nous connaissent. Quand vous fâchez de plus que vous fâchez de manière très désordonnée, ils diront un chrétien ne peut pas. Donc un chrétien, il est un homme de valeur. Un chrétien, c'est un poids. C'est la vie qui vient de Dieu. Et pour la voir, tu devais passer par la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter à vous. Il prend le contrôle de votre être. Même si vous fâchez, même si vous faites du mal, c'est lui qui va te reprocher directement. C'est pourquoi un chrétien ne traîne pas pour mettre sa vie en ordre. Quand il cause du tort à quelqu'un, il est vite pour aller réparer. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une bonne vie. Sortons des ténèbres pour aller vers la lumière. Il est ce que Dieu nous recommande. Le contrôle de notre langage. Proverbe 21. Makumi mbili na moja. Proverbe 21, nous lisons verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Nous devons veiller sur la manière de parler. C'est très important. Celui qui veste sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Pendant le ministère de Frère Branham, il avait une photo qu'il utilisait souvent. C'est la photo qui est sur mon bureau là. La photo des trois singes. Un qui ferme les yeux, l'autre qui ferme les oreilles, et l'autre qui ferme la bouche. C'est-à-dire quoi? En fermant les yeux, vous ne pas vouloir tout voir. Vous vous préservez des choses. Un chrétien n'écoute pas. Il n'écoute pas. Vous devez vous réserver. On a pas vous pouvez commencer une conversation. Il y a des gens là, vous sentez que ça n'encadre pas avec l'Esprit de Dieu. Éloignez-vous. Nous nous suivons parfois en écoutant. Nous nous suivons en regardant. Et nous nous suivons en parlant. Et le singe qui a fermé la bouche, lui ne veut pas être bavard. Aujourd'hui nous avons des gens bavards. Ils parlent de n'importe quoi. Dans la politique, ils sont là. Dans le commerce, ils parlent. Dans les choses du monde, ils sont là partout. Il y a des frères comme ça. Ils sont champions. En actualité, si vous voulez demander, avant que tu répondes, lui te dit même la finalité. Quand vous lui demandez, ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Au baptême de Rome, t'as gâté Funinin? Il ne sait pas. Adjoui. Mais il te dira comment en Amérique Trump a échoué. Il te dira comment à Kinshasa Mabunda est tombé. Kinshasa Mabunda, il
Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais que cela ne soit pas votre préoccupation. Je connais un frère ici. Je ne prie pas avec lui. Lui, champion en information. C'est celui qui informe même des païens. Lui qui se dit chrétien. S'il n'a pas la radio, il a le téléphone. Toujours comme ça. Ça, c'est quelle vie? Il est né. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Le contrôle de langage. Kuchunguza kwa ulimi. Nous devons tirer attention. Tunapasa kukebange. Dans Jacques il est dit ceci. Yakobo wanatambia ifuatayo. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, mutu akizania kuwa wa kidini, mwenye kuamini mu Kristo, sans tenir sa langue en bride, bila kulinda ulimi wake, mais en trompant son cœur, lakini mkudanganya moyo wake, la religion de cet homme est vaine. Dini ya ule mutu ni ovyo. Dit amen. Le chrétien, c'est celui qui contrôle sa bouche. Mon chrétien, il nous le montre en étant coulinda ulimi wake. Son langage. C'est meilleur wake. Sa langue. Na ulimi wenyewe. Ça fait partir de la tempérance. Et nayo ni ushiriki wa kujizuiza. Ça ne vient pas des séminaires, ça. Ibi, abitoki ku seminari. Ça vient du Saint-Esprit. Binatoka kwa Roho Mtakatifu. Ça se trouve dans ces messages. Biko ndani ya hii ujumbe. Mumakanisa wanikaraka na mankunji ya bababa, na mkunji ya mama, na mkunji ya babiana. Beko nebafundisha hii mambo. Abataweza. Ifo shikie kile roho inasema mui wakati. Masho ile tuko naishi muda wote. Kama ushikie kile roho inasema mui wakati. Mais auta kwa mkristo kuya mwamini jana Christ mais auta mwamini Christ bibiri ya kwacha leo tuko na bantu wanapenda Yesu kuya mwokozi wao. Bamingi. Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi. Ni mzuri. Me kuitika Yesu kuya bwana yake. Ile kintu iko nashinda bana. Nabii kwa nasema ni kusema nini? Bamingi manapenda bebokole, me manakatalo la nebokola, ibaka watu. Ukutawala ni kusema, wewe una tena na kia kusema mu maisha inaangalia mbingu. Mwenye mbingu ndo anaanza kuongoza wewe. Hautafanya kile unapenda. Tuna na bantu beko na roho kanisa, eko na kuya ile shiko anapenda. Kama kazi yake inarishia sana, asitakuya. Me anasema anaisha kuokolewa. Tembia unaokolewa. Eske unaisha kutawaliwa? Duka ba kutawala. Hauna tena na yako volonté. Ni volonté ya ula na kutawala ule. Jobu letu kuna yuwe abantu bale meko nongozwa na roho ya Mungu na bada kuongozwa na roho ya Mungu. Kuongozwa na roho ya Mungu ni kusema nini? Kama mambo huko naishi wewe mdunio. Na watoto wako na bibi yako na makazi yako na vitu vyote tu sa. Huko patrona wewe palo wako. Unafanya vile vinakupendeza. Memu ile makazi yako roho ya Mungu iko kwamo. Mfamilia yako roho ya Mungu iko kwamo. Sasa kama unaanza kufanya mambo sadi huko mkristo unaisha kuambatana na Mungu. Mungu yeye anaanza kudirije na kashi yako mnyumba yako. Eske mbona unasikia bia? Mungu anaanza kukudirije tu akutawale. Ulimuitika na ifa kutawale. Hauna na droit kufanya kile unapenda. Jo difference ya mwaminifu na mkristo.
ambao wanasema mujake mule tulisoma utaluri hapo tena verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, mutu akizania kwa wakidini, sans tenir sa langue en bride, bila kuchunga ulimi wake, mais en trompant son cœur, lakini mkudanganya moyo wake, la religion de cet homme est vaine. Dini yake ni ya bure. Jo ile tu unaona leo mazebu na waaminifu wengine. Maisha ya Mkristo abana nayo. Me batakuonesha sema usifuate vile niko nafanya, Mungu yuko ni muro. Ndio vile wanasemaka. Mungu ana manguo, oh jumi na Mungu ana mbile yote, hata mimi nipeta mankucha Mungu ana hamu. Mungu anekalaka ni muro. Mungu ekale muro yako, Mungu ekale muro yako. Inje ikose kushanje. Mungu ana transformaka. Ni puissance. Juye kama nekala ndani, ye njo anaanza kukukomande. Atakuonesha vya kufanya na vya shokufanya. Ndio pale tunavakataria juu Mungu kama iko roho ya mtu na nje ya mtu inachanjaka. Ule mwenye uko unaweka Mungu muro ni ulimwingisha mo ubie ni yari kuya. Bele Mungu kwa kuwa muro ya mtu ifobe mufiakie. Mungu kwa mtakatifu ashite kala mfuasha buchafu. Ifo babebe kifiakio bafiakie mu nikifiakio kani sauti ya Mungu. Be mfiakie mkwe propre kama anakuwa anaangalia na inspector anaona sema ça va. Ta vile mimi niko saint na huko ndani mnakuwa saint mimi naenda kule kukala. Be ba mingi beko ne dilanda. Ta hivi Jacques kone toneshi. La religion pire est sans tache. Dini safi na bila doa haina pale tu. De pourquoi Mungu wetu anasemaka bintu mnamu na mwaya mafasa. Mu verset 23 anasema hivi 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Itumikieni neno ya Mungu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Usibakilie pa kuisikia tu. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Kijidanganya benyana mafikiria uongo. Mana si quelqu'un écoute la parole, mutu akisikia neno, et ne la met pas en pratique, na nakatala kuitumikia, est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Anafanana na mutu la nangalia mukio uso yake ya maumbile. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt na qui était. Kisa kujangalia mukio mule anaenda anasabu na kenye yeko. Mungu yuko napenda tutumikie masauti yake. Wakati wote tukunobiri yulu ya mambo, ile Mungu anaona keko ya mafao maisha yetu. Twende tuitumiki. Epukwa nabia nasema kila mtu eje examine, aone ni munivo kanianesha kufika kufuatana na hii mambo yote tuko naenda kusema mukipimo ya mtu mwenye kukamilika. Do ile mambo Mungu yuko napenda. Mpwe yetu ya tatu, la temperance. Isa c'est aussi une manière de contrôler sa réaction vis-à-vis à une action. Ni namuna tena ya kuweza kuchunguza ngisi gani unaweza kujibia mwakati banakutendea kosa. Souvent nous tombons tous. Kila mara bote tunangukaka. Quand on nous cause du tort. Bakitu kosea tu. Quand on nous injure. Bakitu tukana. Quelle est notre position? Tunekalaka na jibu je. Quelle est notre réaction? Majibu yetu iko je. Lorsqu'on vole quelque chose. Wakati banakuiba ko kitu fulani. On vous vole le maïs. Banakuiba mindi. On vous vole la chèvre. Banakuiba mbuzi. On vous vole l'argent. Banakuiba pesa. Quelle était votre réaction? Ulijibia nini pa ile fasi? Tu étais tempérant ou pas? Ulikuwa wa kujizuiza wala hapana? Très important. Ni amafa. Si nous avons connu beaucoup d'échecs, kama tulishindwa kabisa, mais Dieu veut nous relever. Lakini Mungu hapa anataka kutuinua. Pour que nous puissions prendre la position. Ili tupate kuwa na msimamo.
devant toutes ces attaques. Mbele ele mashambulio yote. Vous savez que parfois les choses qui nous arrivent, unajua kusema mara ngine mambo yanatufikiaka, sont aussi des tests. Ni bipimo. Dieu est en train de nous tester. Mungu yuko anatupima. Voir si réellement ta foi est bien assise. Aone kama imani yako kweli iko imara. Tu ne peux pas passer un examen. Uwezi kupita kumitiani. Et passer une étape. Na kupita kipindi. Sans réussir le test. Bila kuweza kipimo. C'est ça l'examen. Ile ndio mitiani. La réaction. Ile majibu yako. Lorsqu'on vous injurie. Wakati banakutukana. Lorsque tu es en colère. Wakati unakasirika. Tu agis comment? Unafanyaka je? Lorsque tu donnes les ordres à ta femme, wakati unampa mke wako kanuni, et ne le fait pas correctement, anakosa kuifanya vile ulimuomba hiyo. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Unekalako unajibu je? Lorsque ton mari t'envoie beaucoup, wakati mume wako anakutuma sana, vous réagissez comment? Unekalako unamjibu je? Est-ce que votre tempérament, je, utulivu wako, a la capacité de maîtriser, una kiwango cha kutuliza tous ces commandements là, ile maamri yote? Vous répondez toujours comment? Parfois, il y a les femmes qui disent, mara mke wanasemaka, atabu kweli bwenye abu ne ipi. Mina kwa saboyi. Ata mtumwa mwenye shanapumushika kako. C'est ça les réactions que nous attendons. Ile ndio majibu tuko tunaongojea. Ile tuko nashikia. La tempérance. C'est la maîtrise de soi. Les choses sont difficiles. Mais nous devons y parvenir. Lakini tunapaswa kufika pale. Parce que Dieu nous demande ça. Sababu Mungu anatuomba. Comment vous allez être parfait? Utakuwa mkamilifu je? Si déjà au milieu. Kama hapa katikati. De cette construction. Ya majengo hii. Vous échouez. Unashindwa. Comment vous allez atteindre la perfection? Utafika kubukamilifu je? C'est pourquoi Dieu a pourvu les matériels qui sont divins. Kwa hiyo Mungu alitayarisha vyombo vinyekuwa vya kimungu. Avec nous-mêmes nous ne réussirons pas. Si epeke hatutaweza. Il y a les gens qui sont doux depuis leur naissance. Kuko batu vinyekuwa mapole tangu kuzaliwa. Ça, ile ça n'a rien à voir avec ça. Aina mambo na kujizuiza huko. Il y a des gens qui ont un langage modéré depuis leur naissance. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande un langage venant de lui. Mungu anatuomba msemewe nye kutoka kwake. Une douceur venant de lui. Upole ya kutoka kwake Mungu. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ni kile Mungu anatuomba. Pour atteindre ce niveau-là. Tu as kufika pale kiwango. Et nous devons contrôler cela. Na tunapaswa kuchunguza kila kitu. C'est très important. Ni amafa. Dans cette prédication, oui, ma ubiri. Je vais vous lire quelque chose. Frère Branham parle des tests. Il dit parfois les choses qui nous arrivent, ce sont des tests. Anasema mara ngine bitu binatufikiaka ni bipimo. Et je vais vous dire quelque chose. Na napenda kumwambia kitu moja. Les gens peuvent comploter. Batu banaweza kufunga shauri. Pour voir comment est-ce que vous allez réagir comme chrétien. Baone namna gani wewe unaweza kutenda sawa mukristiani. Mtu tana kila saa tutaona mbele. Bonjo banasema kwa Kristo tu. Twende mbele tufanye hii mambo. Les gens viennent comme ça. Batu banakuwa kama ile namuna. Et Frère Branham m'a donné un exemple. Nous pouvons mettre un mfano. De cette sœur là qui était chrétienne mais qui avait un mari païen. Yule dada alikuwa mukristiani lakini na bwana mpagano. Parce que son mari le vantait beaucoup. Sababu bwana yake alianza kumtapa sana mke wake. J'ai une bonne femme. Anasema nina mke mwema mimi. Une chrétienne vraiment. Mukristiani wa kweli ule. Chaque fois quand il lisait ça. Kila mara akisema hivi. Ses amis le disaient. Marafiki yake alianza kumwambia. Cette fois-ci nous allons essayer. Hapa tutapima. Il dit allez vous allez voir. Anasema mwende mtaona. Ils ont fait d'être ivres. Banalanda kulevika. Eh, la femme est là à la maison. Mwanamke alikuwa nyumbani. Elle a préparé les repas. Itayarisha chakula. Son mari est venu avec ses amis. Mume wake alifika na bana rafiki yake. Ils sont mis à table. Anakala kumeza. Il a servi. Anapapatia chakula. Et ils sont venus à table. Banakuwa kumeza. Il n'était pas ivre. Hapakuwa balevi. Mais il trompait. Lakini balidanganya kulevika. Et vous savez le comportement des hommes ivres. Na mnajua mwenendo tu tabia ya watu balevi.
En mangeant, Mukula, ils avaient beaucoup de ratés. Balenza kupusa kabisa. Même en versant de l'eau dans un verre, mwanga mai mugles, ils tombaient à table. Mai na mwanga pa meza. Parfois ils riaient. Marangini manateka. Ils bousculaient les gens. Anasukuma masani. L'autre a poussé même la table. Mwingine anasukuma na meza. Les choses se sont tombées. Bitu bina mwangika. Les assiettes se sont cassées. Masani na pasuka. Et la femme a senti cela. Mwanamke anasikia. Elle a quitté la cuisine. Anatoka mpisi. Elle est venue. Anakuya. Elle a dit mon Dieu. C'est mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont commencé à tousser. Bananza kukofa. Et il a dit à son mari, est-ce que j'avais mal préparé? Pourquoi vous toussez comme ça? Est-ce que c'est lui qui n'était pas bon? Et il a commencé à s'excuser. Il a commencé à ramasser tout ce qui était par terre. Tout en tranquillisant les amis de son mari. Il dit excusez-moi en tout cas. Je ne vous ai pas bien servi. Mettez-vous là-bas. Je vais aller refaire un autre repas. Quand la femme est allée à la cuisine, le mari a dit à ses deux. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez-moi. Si c'était les autres, c'est grave. Ni atari. Les injures allaient se passer là-bas. Tout si pas les pas se coupita. Muna ni leta ba za rafiki yako ba leave you ku. Muna nyala bisha na mansani. Muna kunyona bule sana. Wewe ndo kapiga wewe mwenyewe. Mimi senda. De pourquoi je vous dis que il y a les choses qui nous arrivent, ce sont des tests. Na mimi basi kupita mimi natufikia bingine ni bipimo tu. Muko yako anaweza tu kuya sema leo mimi nitaenda kuona Kristo Bwana. Muko tu kitu bako bana mtu. Hana kwa tu anaweza kuchokoza. Muruwa yake nesho sa leo nione kila tafanya. Mais comme on est bébé il tempérament. Une tumikia vile Mungu anasema. Kumwisho ya yote atakuonesha sema mama. Mimi nashangaa sana wafu wako. Mimi nichika sasa sema onesha kuchika sauti yako. Hii yote nilianza kufanya hapa. Nilipenda tu nikupime. Sasa kama ulitomboka. Et pourquoi nous devons avoir le discernement des choses qui nous arrivent. Tunapaswa kuwa na kupambanua kabitu bine tufikia. C'est très important. Ni ya mafa. Maintenant, ici, dans la prédication, réaction à une action. Umu muma ubiri inaitwa jibu kutendo bata kutendea. Paragraphe 22. Aya makumi mbili na mbili. Nianzie tu aya makumi mbili na moja. Il dit ceci. Anasema hivi. N'est-ce pas étrange la façon Dieu fait des choses? Sini kigeni mnamune ile Mungu anafanya bitu. Il nous laissera atteindre les derniers mille. Atatuacha kufikia kapata ya mwisho. Mungu atakuacha tu mambo iko na kukuia, vitu viko na kufikia, Mungu iko na kuangalia. Aone wote utafanya nini. Mungu anachaka. Na iko na achia kile na raison. Tebuko shike presse ya kulia sema Mungu unaniacha, Mungu unaniacha. Ah, asikuache kunaangalia aone kama ni wewe utamwacha. Il nous laissera atteindre les derniers mille. Atatuacha kufika pa kipimo kya mwisho. Il aime faire cela. Mungu anapendaka kufanya hivi. Il a fait avec des enfants hébreux. Alifanya na watoto wa Hebrewia. Les trois enfants hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego, batoa Hebrewia bale batatu. Il les a laissés. Alibacha. On a dit qu'on va les brûler. Parce qu'ils n'ont pas voulu adorer la statue de Nebuchadnezzar. Sababu wakupenda kuabudu sanamu ya Nebuchadnezzar. Si vous n'adorez pas, mkikatala kuabudu, vous allez vous jeter dans les foudres. Tamituma mtanuru. Il dit d'accord, jetez-nous. Banasema sawa mtukupe. Il dit vous serez brûlés. Banasema mtateketezwa. Il dit oui oui. Banasema ndio. Mais notre Dieu nous aidera. Lakini Mungu wetu atatusaidia. Si vous êtes pas dans les faits, kama si tusaidia hapa mumoto. Au dernier jour, msiku ya mwisho atatufufua. C'est la réponse qu'ils ont donnée. Ndio jibu bali papatia. Et quand il répondait comme ça, wakati balanza kujibu hivi, Dieu était là présent. Mungu tayari alikuwa pale. Frère Branham dit, Ubanama nasema, on a construit une sorte d'escalier. Balijenga kama escalier. Et là au-dessus c'est là où était la fournaise. Pale yulu ndio palikuwa ile tanuru. Ils se sont regardés tous trois. Bote tatu banangaliana. Meshaka dit Abednego. Meshaka namwambia Abednego. Tu es prêt? Tayari. Abednego dit, anasema ndio. Je suis prêt. Niko. Shadrach dit à Meshach. Shadrach, mon ami Meshach.
Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Anasema ndio. Il dit allons. Anasema twende. Ils étaient liés. Ils ont monté la première marche. Balipanda pa kwanza. Dieu n'était pas là. Mungu hakuwa. La deuxième. Papili. Dieu n'était pas là. Mungu hakuwa. Jusqu'à la dernière marche. Baka na step ya mwisho. Dieu n'était pas là. Mungu hakuwa hapo. Mais il était là en tête de l'air. Lakini Mungu alikuwa ndani ya moto kwenye bangali. Lorsqu'on les a poussés dedans. Wakati bana basukuma tu ndani. C'est là où Dieu a intervenu. Mungu mule anabasaidia sasa. C'est pourquoi Dieu dit. Sasa Mungu anasema. Vous laissez jusqu'au dernier mille. Mungu anaweza kukuacha paka pabu kipimo kia mwisho. Pour voir comment sera votre réaction. Aone utafanya je. Et dans le feu où ils étaient tombés. Na mule mumoto baliangukia. C'est le lié au préfet. Ni paka makamba ile balibafunga iliwaka moto. Ils sont restés libres. Banabakia huru. Et le feu s'est changé en ventilateur. Na moto inabadilika kuwa kiyoyozi. Parce que Christ était là au milieu. Sababu Christ alikuwa katikati yabo. C'est pourquoi résister. Kwa maana mpate kushinda. Même si la maladie dit. Hata magonjwa na kawia. Résister. Kankamana. Elle finira un jour. Mwisho ya yote itamalizika ile magonjwa. Et comme Dieu sait que vous prendrez position de lui, sauf le Mungu anajua kusema wewe utakuwa upande wake. Il laissera Satan vous amener au dernier mille. Atakamwacha shetani kukufikiza pa mwisho. Mais souvenez-vous, lakini kumbuka, il est toujours là. Ye Mungu tayari yeko. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Anapenda aone kama kweli uko na uwazi mbele uko unasema. Oh, minamini Christ, mini mwokozi wangu, minamini matunzo. Ok, Mungu ataleta malari yaone kama uko sincere ya kuamini ile matunzo na semata. Malari yote akui. Oh, Mungu atanabarika kari semaka na risha katande kama mpori. Tamo ya Mungu atapata tu njale kupike. Aone kama utachange langage. Amen. Oh, je crois que Dieu est le guérisseur. Oh, naamini kama Mungu ndiye mganga. Oui, je le crois certainement. Ndio naamini hakika. Et le lendemain, kesho kutwa, vous éprouvez toujours vos douleurs. Uko nasikia mpaka ile maumivu yako. Eh bien, na tena, peut-être que je n'ai point reçu cela. Pengine sikuipokea matunzo. Certainement que vous l'avez reçu. Hakika ulipokea. Il veut seulement voir votre réaction. Mungu anapenda aone tu vile utafanya. Par rapport à votre déclaration. Kupitia masema unasemaka. Vous dites oh gloire à Dieu. Unasema utukufu kwa Mungu. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Naamini ubatizo wa Mtakatifu. À la première petite tentation qui survient. Pa kipimo tu kia kwanza kile kinafika. Vous vous emportez comme une scie circulaire. Unabebwa sawa vile si ya kuzunguluka ile. C'est-à-dire que vous vous mettez en colère. Ni kusema unakasirika sana. Sa ile si banakataka na mambao kule kwa mkundu. Wa! Asema unakuwa makali sa ile si ile. Ikishilani kiaje? Wao nasema kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kipoleshi. Wao nasema uko naye. Mungu atakutestea aone kama réellement le Saint-Esprit déclaré est quoi. Analeta mambo. Rebrana masema muntu pa kumtestee kama iko mkristo mukanyange mbele kukale ka kilori ka kumwisho kale asema uone vile ataruka. Bwana tubariki. Il cherche à voir votre réaction à votre action. Eko anatafuta aone utafanya je pa ile tendo inakufikia. Il cherche à vous tester. Eko anataka kukupima. Chaque fils qui vient à Dieu. Mtoto wote anamwamini Mungu. Doit être d'abord éprouvé. Anapaswa kupimwa. Et testé. Kupita mkipimo. N'importe qui. Mtu yeyote. Même un chimiste. Hata mwenyewe anafanya chimie. N'importe qui d'autre. Mtu yeyote. Procédera toujours par un test. Atapita mpaka pa kipimo. Hata ima vaccine bananza kutosha corona. Avant batwanga yu bantu bari testé mbele. Baone kama iko na nguvu. Kama itaweza kutunza ile malari. Na we Mungu ako napenda kutesté aone kama uko mkristo. Aone kama uko mtoto yake wa bia kweli. Aone kama ile enlèvement nasema ka utenda kweli utadumu kufika na kwa enlèvement. Teste kila mtu anapaswa kuwa naye. Et alors, lorsque vous êtes soumis à un test, wakati unapita pa kipimo, lorsque vous êtes soumis sur le point d'être utilisé par Dieu pour un témoignage, wakati unapimwa tu kufika pa wakati unaweza kufika pa kukutumikia upate kushuhuda, wakati Mungu yuko na kuteste yuko na kupima aone kama utaweza. Ni juu kama unaweza ukuye ushuhuda yake.
Est-ce que mon achat? Qui la monte à neige ou à bila neige ou ina kamou maïcha ou Christ? Tout comme on a kouta mungine, binesha kou moukolek, anasa kou riakani, ouè yon ouina ken bougito il, ou ta moussaïdi aye. Na wakati kou na moussaïdi, ou na kwa ou chouda ya mou, yo yi, nabie kou na sema. Vous êtes peut-être des chrétiens. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes soumis à des tests. Dieu est ici le point de servir de votre témoignage. Il veut voir votre réaction. Alors il vous met sous pression. Si vous explosez, eh bien alors il ne peut rien faire avec vous. Et angaria kama tu unalabisha témoignage yako. Bantu wanayua kasimo kumukrisu kumukrisu. Mambo mwe nafika. Témoignage yako inalabika kubale bantu. Mungu asita kutumikia te. Preve ni nini. Tima tu wando keleze mungu asema. Ya mambo ya mungu hivi na hivi na hivi. Ataluria pa ile mambo ifanyaka. Eske mungu nashikia mtu. Et pourquoi Mungu yuko netomba tuchunge maisha yetu safi? Tutupe ushuda ya Mungu. Bana muke na bana umu. Bwana Mungu mbariki sana. Mais si vous tenez bon, lakini ukishika nguvu, et vous supportez les tests, na unavumilia kipimo, Dieu vous utilise comme témoignage. Mungu anakutumikia sawa vile ushuda. Reaction à inaction. Majibu kumatendo ile natufikia. Temperance ni namna kuweza kujizuiza wakati wote bengo netukosea. Parenza tau kutumbokea. Na Mungu yuko naleta mfano ya Yesu Kristo. Anasema muangare Yesu Kristo. Juu yeye ndio anapaswa kuwa mfano yetu. Tunapaswa kufuata mnyao yake. Asema wakati alikuwa kwa hii dunia ni mambo kanilipita. Tusome mbele ile maandiko. Isaia 53. Isaia 53. Esaïe 53, tuanze mu verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ni nani aliamini ile bali tutangazia? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Nani alitambua mkono wa milele? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Alinuka mbele yake sawa vile chipuko dhaifu. Comme un rejeton qui sort d'une tête de sèche. Kama vile chipuko inatoka mudongo kavu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Hakuwa na burembo wala kungara cha kuvuta macho yetu. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Na hali yake haikuwa na cha kutupendeza nakyo. Méprisé, abandonné des hommes. Mwenye kuzarauliwa na mwenye kuachiliwa na watu. Habitué à la souffrance, mutu wa maumivu wenye kuzobelea mateso, semblable à celui dont on détourne le visage, anayefanana na ule abangali yake, nous l'avons dédaigné, tulimziaki, nous n'avons fait de lui aucun cas, hatukumshituka, cependant, bali, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ni mateso yetu aliyochukua, c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé, ni maumivu yetu aliyojitwika, nous l'avons considéré comme puni, na tulimuona kama mwenye kuapizwa, frappé de Dieu humilié, mwenye kupikwa na Mungu na mwenye kufedheheshwa, il était blessé pour nos péchés, lakini aliumizwa juu zambi zetu. Brisé pour nous iniquités. Alifunjika juu maovu yetu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Azabu inatupatia salama ilianguka juu yake. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Na munipite bilonda yake sisi tunatunzwa. Nous étions tous errants comme des brebis. Bote tulikuwa na wayawaya saba kondoo. Chacun suivait sa propre voie. Kila mmoja alikuwa anafuata njia yake mwenyewe. La paix est tombée sur lui, l'iniquité de nous tous. Na milele aliangusha juu yake maovu yetu sote. Il a été maltraité et opprimé. Alinyanyaswa na kuangamia. Maintenant écoutez. Sasa musikie. Il n'a point ouvert la bouche. Akufungua kinywa chake. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Mwenye kufanana na mwana kondoo anayepeleka machinjoni. Il brebis miwete devant ceux qui l'attendent. Mwana kondoo lebeko na pelebeko na tosha manyonya. Il n'a point ouvert la bouche. Akufungua kinywa chake. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Alinuliwa kupitia huzuni na mateso. Jésus-Christ s'est trouvé devant ses bourreaux. Yesu Kristo alikuwa mbele ya bale maskari. On l'a arraché la barbe. Ali mtukunya ndefu. Il n'a pas répliqué. Hakujibu kitu.
On lui a arraché ses vêtements. Il était toujours miwe. Alikuwa kimia. On a bandé les yeux. Anamufunga pa macho. On a frappé les roseaux sur sa tête. Banamupika mwanzi pa kichwa. Ils lui ont dit. Banamuliza. Prophétise. Tabiri. Qui t'a frappé? Nani anakupiga? Il était toujours miwe. Alikuwa kimia kabisa. Cette réaction. Ile jibu ile. Face à cet tortionnaire. Mbele ya bale bako namunyanyasa. C'est le modèle que Dieu nous donne. Ndio mfano Mungu anatupatia. Ça peut être difficile, mais c'est facile. Dans ce monde, il y a les gens qui n'ont pas répondu même à un coup de gifle. Ils n'ont pas répondu même devant ces tortionnaires. Ils n'ont pas cédé devant même n'importe quelle attaque. Dans ce monde, les gens sont là. Nous aussi, nous devons le faire. Ne cédez pas devant la pression du diable. Satan va utiliser toutes les astuces. Satan peut t'attaquer au travers de ta femme. Ma sœur, on t'attaquera au travers de ton mari. Satan peut t'attaquer au travers de tes enfants. Au travers de ton travail. Au travers de ton pasteur. Au travers de diacre. Au travers de l'église. Satan est capable de faire cela. Mais soyez prudent. Mais soyez sage. J'ai appris un frère qui me disait, il y a un frère qui ne vient pas à l'église. Dans le frère la vie, il dit, toi je ne te vois pas à l'église. Tu ne viens pas pourquoi? Il a commencé à avancer les raisons. Ma femme était malade. On n'est pas venu me visiter. Tous les pasteurs ne sont pas venus. Mon fils était malade. Et il a posé beaucoup de problèmes. Aliweka mashauri yake pale mingi. Kwa jene vene pale. Ndio sababu sikuanza kwa na kanisa kwenyewe. Je dio frère, qu'est-ce que toi tu lui as? Nilimwambia ndugu ulimwambia nini sasa wewe? Je l'ai seulement conseillé. Anasema nilimshauria tu. Eh, son conseil quand j'ai appris ça, c'était bon. Nilikesha shauri yake ilikuwa mzuri. C'est Satan. Ule ni shetani tu. C'est Satan. Ni shetani. Vous devez savoir que c'est le diable. Mnapaswa kujua kusema ni shetani. Dans la prédication, j'oublie un peu les choses. Maubiri ile nasahau kuanza kichwa ya mambo. Nitakikumbuka tu. Ndugu Branham anasema hivi. Dieu est capable de vous tester. Mungu anaweza kutupima. En bloquant même la visite des enfants de Dieu chez toi. Mkufunga hata watoto ya Mungu bakose kuya kukutembelea. C'est très important. Ni mafo kabisa. Si les hommes t'abandonnent. Batu bakikuachilia. Mais il y a un qui ne peut pas t'abandonner. Amen. Kuna mmoja hawezi kukuachilia. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Comptez d'abord sur lui. Mutumainie kwanza yeye Yesu Kristo. Kabla ya kutumainia wanadamu. Tu peux être malade. Unaweza kugonjwa. Tunakuya. Nous prions. Tunaomba. Nous te donnons même l'argent. Tunakupa na pesa. Même la nourriture. Na chakula. Nous rentrons. Tunarudia. Tu vas rester seul la nuit. Utabakia peke yako usiku. Si la douleur commence, maumivu ikianza, l'argent qu'on a laissé, pesa ile tuliacha, ne viendra pas calmer ça. Haitakuwa kutuliza maumivu. La farine qu'on a laissé, munga tuliacha, ne viendra pas te consoler. Haitakufariji. Le consolateur, mufariji, le Seigneur Jésus Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Mettez d'abord confiance à cela. Mtumainie kwanza yeye. Ce sont des tests qui viennent. Ni bipimo biko binafika. Pour voir si vous allez abandonner ou pas. Tu aone kama utachilia wala hapana. Mais que cela ne soit pas des raisons. Lakini ile isiwe tu masababu. Dieu ne peut pas te justifier à cause de ça. Mungu akweze hawezi kuhesabia kitu hili. Dieu ne peut pas te justifier à cause de ça. Kunyangalia. Dieu ne te donnera pas raison. Mungu atakupa sheria. On va soulever les gens dans cette Bible. Batalamusa batu mwi Biblia. Qui n'ont jamais reçu une visite dans leur vie. Bala bakubatembelea kata mara moja maisha yabo. Mais qui sont sortis vainqueurs. Lakini balitoka bashindaji. Cette Bible est pleine de témoignages. Et Bible n'ayez kujama ushuda. Cela ne peut pas être une raison valable. Il est aussi quoi tout sababu yenyewe nastahili. Dieu nous condamnera. Mungu atatukumu. Puisqu'on t'a pas visité. Sababu atakutembelea. Okay. Sawa. Mais toi on te condamnera. Sasa, puisque tu as abandonné Dieu. Sababu ulimwacha Mungu. Ce sont des tests. Ni bipimo tu. Attachez-vous à Dieu. Mulamate Mungu. Ne vous attachez pas à l'église. Usiambatane tu na kanisa. L'église peut faillir. Kanisa inaweza kushindwa. Le diable peut faillir. Bashemasi banaweza kushindwa. Nous avons l'ordre ici. Hapa tuko na usawa.
Quand vous avez des problèmes, ukiwa na mambo, n'allez pas voir les frères Kaba. Usiende kumuona nduku Kaba. N'allez pas voir les frères Baté. Usiende kumuona nduku Baté. Nous ne sommes pas habilités dans ces choses-là. Se atuna na namna kumisaidia mwile mambo. Si nous vous recevons quand vous venez avec vos problèmes. Wakati tunamipokea wakati mlikuwa na mambo yenu. Nous vous patientons seulement. Ni kumivumilia tu. Parce que vous ne connaissez rien. Sababu hamyajua kitu. Les gens qui sont censés résoudre vos problèmes. Bale batu wanapaswa kujibu mahitaji yenu. Ce sont les diacres. Ni bashemasi. Allez les voir. Wende mbaone. Vous avez besoin de vêtements, de nourriture, chakula, de l'argent pour les soins médicaux. Allez voir les diacres. Ne venez pas chez Kaba. Usiende kwa Kaba. Ne venez pas chez moi. Usiende kwake. Hapana. C'est ça l'ordre que nous avons reçu. Ndio usawa sisi tulipata. C'est ça l'ordre de la parole. Ndio usawa ya neno. Oh non, parce que moi les pasteurs ne passent pas chez moi. J'abandonne l'église. Na chakanisa. Maintenant si on te pose la question. Sasa bakikuuliza. Il y a déjà pas chez les pasteurs combien? Wewe usakwenda kwake kumchungaji mara ngapi? Posez-nous des questions. Tuulizane sasa. Toi qui as déjà été chez les pasteurs combien de fois? Wewe kwa mchungaji usakwenda kwa mara ngapi? Ou bien chez un frère. Wala kwa ndugu tu fulani. Combien de fois? Usaenda kwa mara ngapi kwake? Nous allons vous enseigner des choses. Mifundisha bitu au jour qui vient masiku iko nakuja que vous ayez des hommes faits ili mwe batu benye kukomea kama ndo matu sa mtu akiwa na bibi yote ndani le problème de visite chez lui c'est zéro mambo ya kumtembelea kwake ni bure kabisa hata mnakuya hata mkuu jamais mais tu sais mais à toi tembelea na unapenda kumyankurajer na kumidécourager tena que Dieu bénisse Mungu amibariki. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo n'a pas ouvert la bouche. Akufungua kinywa chake. On a tiré sa barre. Bali kokota ndefu. On a laissé ni. Bali mwacha uchi. Il n'a pas déclaré. Akusema kitu. Il dit c'est comme une brebis qu'on a mené à la boucherie. Bali mwacha uchi. Bali mwacha uchi. Bali mwacha uchi. Il n'a pas réclamé. Akusema kitu. Non, laissez-moi ma vie. Muniachie maisha yangu. Non, laissez-moi ma barbe. Oh, muniachie ndefu yangu. Non, laissez-moi. Oh, muniachie. Il était calme. Alikuwa kimya. C'est ce que Dieu nous demande. Ni kile Mungu anatuomba. Être comme Jésus. Kuwa sawa Yesu. Oh, shitaweza. Utaweza. Amen. Ni wewe ndio unapenda ukose kuweza. Mekuweza kwa utaweza. La Bible dit si vous avez la bonne volonté, mutaka kutaka kwema, vous mangerez le mien du pays. Mutakula mema ya inchi. C'est-à-dire que vous aurez des bénédictions. Ni kusema mtapata mabaraka. Nous devons faire un effort. Tupasha kukankamana. Nous contenir devant la colère. Kujizuiza mbele ya abisilani. Wakati manatukosea. Un frère a posé la question à frère Branham. Ndugu mmoja aliuliza ndugu Branham ulizo. Il dit je ne sais pas me contenir. Qu'est-ce que je vais faire devant la colère qui vient chaque fois? Siwezeki kujichunga. Nino tafanya nini mbele ya hasira inanikaribia kila mara? Écoutez la réponse du prophète. Musikie jibu ya nabii. Question réponse numéro 4. Ulizo na majibu. 1964. Namba ine ya mwaka 1964. C'est question 405. Niulizo 405. Le frère pose la question et dit ceci. Ndugu anauliza ulizo nasema hivi. Frère Branham. Ndugu Branham. Lorsque quelqu'un m'énerve. Wakati mtu ananikasirisha. Ou me marche sur les pieds. Wala ananifinyanga kumguu. Et je m'enflamme. Na mina wak, mina tomboka. Comment puis-je vaincre cette chose? Ile mambo naweza kuiwina je? Tunaona kikurukwa bantu na shisafi. Mutam profete kuna ugu. Na boba likuwa na hii hali. Ilianza kumuja sa mintenda kumuliza. Je sais que c'est le Seigneur qui devra le faire. Najua kusema ni Bwana alipasi kuifanya. Mais que puis-je faire dans mon cœur? Sasa mimi ndani yangu mitafanya nini? Je ne veux pas de cette chose. Sitake kile kitu sikitaki. Sasa mimi najua hii mambo la tanisaidia ni paka Mungu. Mais sasa mimi nitafanya hako nini? Kama Mungu yeye ndio atanisaidia, sasa mimi naweza kufanya hako nini? Ni kama jibu ya nabii. Adoucissez votre tempérament. We tuliza tu utulizo wako. Par la prière. Kwa njia ya maombi. Pale Mungu nakimbiaka maombi. Ndio maana vitu aviendeke. Leo shituko ba mingi. Mchunge tu mardi. Tutakuwa bantu 10. Mais wewe uko na mambo saa hii. Imani hauna, uwezo hauna, ufahamu hauna, temperance hauna.
Nabi anasema ile yote kuna uwezekano ni kunjia ya maombi. Me maombi na yonjwe le bantu beko na kimbi. Inasema kama mbona ikimbia maombi juu ni cash. Ni cash kuomba. Twendeni kwa magoti. Wanapiga wanapiga. Wanaanza kuexhorte, twendeni kwa magoti. Paka ile hii bantu beko na ikimbia paka hii. Au kuko tena mambo mengine sababu ya mpendaga maombi seka mwe mneesha kuenesha. Eh. Mtu shinu bali sema lomba utapewa. Vile wao ulombaga seka huko? Nabi. Na connaissance huko nayo, na Roho Mtakatifu huko nayo, na kuzari kwa mara ya pili huko nayo. Sisi kwa kuenesha. Adoucissez votre tempérament par la prière. Tuliza kujizuiza wao kupitia maombi. Oui, décidez-vous. Kisha ubambe mupango. Amen. Na vile mie tu kama wanaza mambo minashikia kamuruo munaza kuwa absasi. Naza kufanya nguvu rolishu waki. Utaweza. We bamba tu ile mupango utaweza. Majibu yangu inakalawa paka ya mubaya. Beko na informa remark. Hapa sasa. Tafanya nguvu. Ndio Mungu atakusaidia. Mbele wewe yaanza na Mungu atakusaidia. Prebra na masema, fais d'abord le premier pas. Anzia kwanza na toa ya kwanza. Dieu fera le deuxième. Mungu atafanya ya pili. Wewe nafanya ya kwanza uyafanye Mungu atakufanya. Let's see, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce bâtiment. Pale mambo chezani kusema Mungu batu ba mingi muitumba. Qui ait un tempérament colérique. C'est celui que j'avais au début. Bale banaweza kuwa na ile hali ya bisilani sasa nilikuwa nayo mie kumwanzo. Le prophète reconnaît qu'il était aussi colérique. Kwa wasira kabisa. J'avais tout le temps la bouche en bouille. Kila wakati kinywa yangu kilikuwa paka makelele. J'ai pris beaucoup de mes repas avec une paille. Nilibeba nikula chakula yangu ya mie kabisa na mayani. Ma mère comme vous le savez était à moitié indienne. Mama yangu vile mnajua alikuwa ngambo moja India. Et mon père était irlandais. Na baba alikuwa irlandais. Un irlandais de Kentucky. Irlandais wa Kentucky. Anaanza kuexpliquer. Tous deux avaient un tempérament suffisamment colérique. Abo bote walikuwa na hali ya hasira kabisa. Pour pouvoir actionner une scie circulaire. Juu ya kuweza kuchemsha ile scie ya kuzunguluka. Et sans cesse ma bouche était embouillée. Na kila wakati kinywa changu kilikuwa. Premièrement j'étais petit. Kwanza nilikuwa mtoto. Et il me soulevait simplement et me terrassait. Baranda kuninyangula tu na kunitupa chini. Et je me relevais et il me terrassait de nouveau. Kila muka bana ninyangula chini tena. Jusqu'à ce que je n'étais plus capable et incapable de me relever. C'était toujours ainsi. Il est quoi un et puis lorsque je pouvais me relever, je me relevais. Il me terrassait encore. C'est exactement cette manière que ça s'est passé avec moi. Je me disais que je ne pourrais jamais devenir un chrétien. Mais lorsque le Saint-Esprit entra en moi, c'était fini. Il est bien. Amen. Et pourquoi venons prier? Puisque quand le Saint-Esprit vient, il est membre de la Sémane Yangou Vitenda. Puisque il y a un bulldozer. Frère Branham dit le Saint-Esprit c'est un bulldozer. La Sémane Rome Takatifu ni machine, il est mounene. On a eu un bulldozer. Oui. Il est qui machine qui n'est qu'à la gana qui. Pas au kiné de Kumbel. Il est qui qu'on a ma miolo. Il est à ta kouko qui soukou. Ya tapeko kinjimu. Ya takuko michi ni kuangushi. Donc Saint-Esprit ni bulldozer. Kama nakuya tu anengia ndani mwako. Kiburi kyote banatoshi. Kyote banatoshi. Banamwanga kule. Matushi yote. Tuki yote. Anazambarisha munakuya bie. Na wongo utasantiri tu asema ni kualesi. Frère Branham asema, alianza kuasema na hii hali. Est-ce que mimi nisikuwa mkristo? Mais pala na kwa tu chrétien. Tete suri anakui. Mambo yote nafua ni inashima. Bwana etubariki sana. Tasoma kwa citation ya mwisho avant Jésus. Datire de non parfait, pa page 33, kimo cha mtu mkamilifu 33. Maintenant,
Ajoutez ces choses l'une à l'autre. Mwongeze bibitu kimoya pa kingine. Ajoutez-y la tempérance. Mwongeze bokujizuiza. C'est la façon de répondre avec douceur. Ni namuna ya kujibu na upole. Face à la colère. Mbele ya asira. Lorsque quelqu'un vous dit. Wakati mtu anakuambia. Vous là-bas. We ule. Bande de petits saints. C'est la manière de répondre avec douceur. Dans mon esprit, moi, j'ai monté. On en a vu les gens qui observaient les chrétiens. Ils les sachent tous nos amis. Ils ont changé à pas frère ça. Ils ont pas frère. Par exemple, j'ai monté à ta moi. Ils ont monté. Et qu'on a monté. Et qu'on tout qui. Oui. Or, vu les écoles. Et qu'on tout a monté après ce qu'on dit à ta. Et qu'on tout qui. Tenez, on a check, on a check. Ni kuna sema unacheka na kucheka. Mshera acha tu ile mambo bwana sema. Anaisha na kuja sasa. Unaisha? Yesu kuna Yesu ni permettre njibu. Utajibu nini? Utajibu nini? Hautajibu. Hapo ngatana sasa mimi sijibu. Kumbe na mambo inaisha. Mosema sema mbe. Sema. Ila titidi. Hata mtu kama alikuyo wa biceps je atashuka. Ni shindo tunafanyaka mambo ikuye mambo. Kama unasema mambo ateko munene hivi. Ikonde, itakonda. Ni namu na ile ya kujikomporter. Leo unaona hata kama mapolisi wanakuwa kubamba mtu. Kama tu banakuya tu. Banaanza kuonesha hapa sasa tunaomba kubamba hivi na hivi na hivi. Unashikia vile wanasema hivi. Kama tu unachosha sasa mzuri tu. Utaona matenda tu na wewe kimya. Beko nenda na we na vile watafika na huko kasho. Sasa ni maana kuweka na pale hivi. Bi kama unapima tu kujama jam. Bara kubeba par force. Banaenda na we nikufika mbele ndani mule ndani. Kama tunafika kule tunaanza kule sasa tulikuwa kuangalia ule frere. Nani frere wenu? Ule ni bandia na frere. Hai tupika makupe na mna moya. Attitude yetu inaweza kutusemea mna mambo. Asema wewe oui, oui, vraiment ule. Beba pa show problem ah pasteur ah en tout cas uko na pa Christ ah en tout cas ah ile sana mimi napata nguvu be kama mimi nafikiria tu mumabombe naanza kunyanguki be mimi na mi defendra ah mimi shachaki paka mimi ta defendre naanza kumuletea ma verse paka pale a comprendre que mina mwonesha, mina mwonesha kaji. Kama mtu ananyanza ile mambo, naonesha sana. Chef. Una watoto ngapi? Sasa niko na 6. Watoto 6. Eske bale 6 wote ni wapenda. Namu na tumo. Sasa mimi ni wapenda. Okay. Bale 6. Eske wote biko namu na moya? Hakuna wale wanakuletea kama mambo. Aha. Lakini watoto ndio paka vile mambo leo iko nakuja hata sana. Na mimi kanisa wote ni watoto. Na huyu analeta mambo. Hana saba leba nabakia. Tunaanza kuisha. Hapa na hapo tashia dosye kuna enda kushuka. Pastor tupe atasi krema ashe mambo isha. Ah, okay. Tunaisha mambo. Tempera makoleriki. Tabisilani. Vous là-bas, bande de petits saints. Mwe bale, kunja batakatifu. Kama wanakonesha vule, Bible nani anasema na vya anasema. Ne sote bale. Usiluke mupepo. Vous prépare la baga. Ukone jitayaricha kukumba. Ya kukumasare trushele manche. Unanza kukunja sumishati. No. Apana. Ne faites pas cela. Usifanye vile. Me répondez avec amour divin. Lakini mujibo na mapendo ya kimungu. C'est cela avoir de la tempérance. Ile ndio kuwa na kujizuiza. De la douceur. Upole. C'est cela que vous voulez. Na ni ile mnapasa kufanya. Bwana tubariki sana. Amen. Na mwisho ya kumaliza. Ku page 34. Mais si vous dites, sasa ukisema, cet homme là, ule mutule, je devrais le gifler. Ile pasa kumpika lupi. Mais peut-être que je serais mieux de ne pas le faire. Pengine ilipaswa kuwa mzuri nikose kuifanya.
Parce que mon nom pourrait être lu dans les journaux. Si je le faisais, cela n'est pas le genre de tempérance dont il parle. Si vous avez cela, n'essayez pas d'ajouter. Mais Mungu yuko napenda temperament yake kutoka kwa roho mtakatifu. Bwana Mungu apate kutubariki. Tunaishi hapa na mambo ya temperance. Bale yuko na ma question depuis tuanze kubiri. Mwanjike ma question mwanze kuleta kubiro. Question yoyote ile inakupreoccupe mu mambo inaangalia tauti ya Mungu. Mwanze kuleta ma question ta organiser siku ya kwezi. Naacha share.